D'environ 16 millions d'hectares dans les années 1960, la superficie actuelle de la forêt ivoirienne ne dépasse pas les 3 millions d'hectares. Face à cette disparition de la forêt, se développent plusieurs actions, notamment le reboisement. L'initiative du gouvernement s'empare de nombreuses populations, comme à Assoumboué, dans la sous-préfecture de Toumoudi. Les villageois initient une journée de planting d'arbres. La superficie a reboisé 150 hectares. Nous voulons, à notre manière, aider le gouvernement à lutter contre la déforestation. Nous parents, que chaque famille crée au moins deux hectares, trois hectares d'état d'éthique, pour qu'à la longue, nous puissions avoir des richesses pour nous auto-financer. Le ministre des Eaux et Forêts, Mathieu Babo-Darré, salue la contribution de ces populations rurales. Elle va aider à reconstituer le patrimoine forestier. Les questions forestières n'étant pas que du seul ressort de l'État. Ces populations qui vont planter cette forêt ne vont pas la détruire. Et c'est notre manière à nous de lutter contre la pauvreté en encourageant les populations rurales à planter des arbres à rendement économique. Une broyeuse multifonctionnelle, dont du ministre des Eaux et Forêts, pour encourager les populations d'Assombroui.